Bonjour à tous, Alexandre Demar et Olivier D'Anjou qui vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission du podcast de Canal Cette semaine, On est avec vous pour discuter de la technologie NFC. Technologie dont on entend de plus en plus parler au travers de la communauté des personnes vivant avec une perte de vision partielle ou totale, surtout depuis la sortie d'iOS 13. C'est quoi NFC? Ce sont de petits tags ou puces qu'on peut coller, permettant entre autres d'identifier des objets à l'aide d'étiquettes textuelles ou vocales dans le cadre de Samsung ou même encore d'effectuer des tâches de façon automatisée. On sera donc avec vous pour vous présenter différentes applications iOS permettant d'écrire et de lire des tags NFC. On vous montre comment c'est possible de lire des tags NFC sur Android et euh, finalement on vous explique comment les utiliser pour faire des tâches automatisées. Je vous souhaite une bonne écoute. Depuis quelque temps, on cherche des solutions les plus simples possibles permettant d'identifier des objets à l'aide d'un téléphone mobile ou à l'aide d'une autre euh, technologie telle que, par exemple, il euh, euh, y a beaucoup d'utilisateurs qui euh, recourent au PenFriend, par exemple. Il y a, bref, euh, un million de technologies de la sorte euh, qui euh, existent. Et euh, aujourd'hui, en fait, avec iOS 13, on a maintenant la possibilité de lire et d'écrire, surtout, en fait, d'écrire des tags NFC. En natif. Donc on va se concentrer sur euh, les tags NFC. On va regarder comment est-ce que ça se passe et euh, de quelle façon ça peut nous venir en aide pour, par exemple, étiqueter des produits. Ou euh, même en fait, le tag NFC, oui, permet d'étiqueter, mais permet aussi de faire des actions rapides en numérisant le tag NFC directement. Même qu'au lieu de donner des cartes de visite, on peut scanner un tag NFC. Pour en parler, je suis avec Olivier. Salut Olivier. Ça va bien? Oui, toi. Yes. Euh, Top Shape, et bien tout tu d'abord bonne année? Toi aussi, merci, Toi aussi. bonne année à nos stars aussi, tout ce, que, tout ce que vous voulez, santé, bonheur, même si à l'heure où on enregistre on est encore en 2019 Oui, bien effectivement, sauf que ça reste d'être mis en ligne en euh, 2020 On va défoncer la il faut Oui, exactement euh, avec euh, notre cher ami Eric. Eric. Ouais, Eric ben oui, il doit aller bien. Voilà, bref, euh, petite parenthèse. Euh, bref, donc, euh, on va regarder aujourd'hui au niveau du NFC euh, comment ça se passe sur Android, euh, de la même que sur iPhone, et même euh, Samsung euh, intègre une fonctionnalité d'accessibilité assez intéressante du côté des, des tags NFC. Ouais, à quoi point. ça ressemble un tag NFC? Ça ressemble à un genre de petit right ». Oui, c'est, ben, il yeah, y a, yeah, c'est comme un petit connard, c'est rond. Euh. Un console, un deux piastres. Euh, attends. Un deux? Ah oh, oui, oh, oui. Oui, oh, oui. un euh, deux oui. piastres, oui, à peu près. Oui. Puis, dans le collant, si on touche bien, il y a genre ben, c'est un collant un papier, un petit là. Oui, c'est ouais, ça, exactement. Il y a un, il y a un genre de petits points, voilà, donc, euh, qui doit se trouver en fait avec le, être la, la mémoire, autrement dit. Là. Et euh, ben, en fait, euh, c'est en papier, c'est certain que les tags que moi j'ai achetés, il y en existe plusieurs modèles, mais qu'est-ce que j'ai euh, euh, acquéri, dans le fond, ce ne sont pas des tags euh, qui vont euh, pouvoir aller euh, dans l'eau. Euh, donc, ça, ça c'est certain. là, Ça ne ça, ça, ça va pas dans l'eau. Mais euh, il existe des modèles qui y vont. Il existe plusieurs modèles de tags. Ce que j'ai acheté, c'est du NTAG 213. Ça se trouve où des tags, ça coûte combien parlons au prix? Je pensais que euh, t'avais pas parlé de 17 euh, près, sur Amazon. 17, oui, c'est ce que effectivement, je les ai payés pour des NTAG 213 qui. Euh, 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 présente Je pense c'est combien? C'est à peu près euh, 100... Quelques... Même ça, c'est 128, on Quelque va le voir comme tantôt. Ça, on va le voir tantôt, de toute façon. Là. Euh, mais pour écrire du texte, c'est largement, largement suffisant. Euh, Puis oui, je les ai payés, effectivement. Là, euh, 17 écoques. Euh, Je pense j'ai même pas eu de taxes là-dessus pour un paquet de 50 sur Amazon. Par contre, il y en existe euh, des paquets d'une de, de, centaine de tags pour le même prix sur eBay, sauf que c'est China Post, c'est de la poche chinoise. Donc euh, les délais sont plus longs. Ouais, 2-3, mois facile avant de les recevoir. Là. Fait que ça vaut-tu vraiment le coup? Bof, c'est sûr que si on achète 10 000, ouais. Sinon, ben non, pas nécessairement. Et euh, ben de ce côté-là, donc c'est ça, moi j'en ai acheté pour faire des tests, c'est quand même assez concluant. Il existe aussi des modèles qui vont dans l'eau. Euh, ça se vend That's sur hard. Amazon, effectivement, mmh. c'est disponible. Et euh, ben en fait tout ça ça fonctionne avec euh, iOS. Il euh, y a juste une chose qui est à noter, c'est que oui ça permet d'étiqueter des choses. Contrairement par exemple au Penfriend où ce que euh, ça lit un code barre qui Ensuite de ça, est interprété par, si on veut, l'espèce de petite caméra du penfriend qui euh, va aller chercher l'équivalent euh, de l'étiquette dans euh, sa mémoire euh, interne. Donc le penfriend a une mémoire interne, mais euh, l'étiquette, dans le fond, ce n'est qu'un code qui est lu par le penfriend. Donc l'association euh, se fait. Donc, si vous perdez votre crayon, même si vous avez vos étiquettes, bien euh, à ce moment-là, euh, si vous n'avez pas fait de sauvegarde, euh, c'est malheureusement. Mort. Les étiquettes ne pourront plus fonctionner. Du côté des tags NFC, en fait, euh, l'appareil pour lire les tags, dans le fond, euh, n'a pas euh, du tout euh, de caméra. Ben en fait, oui, il y en a une, mais ce n'est pas la technologie qui est utilisée. Le tag, autrement dit, c'est de la mémoire qui, euh, dans le fond, euh, devra se faire euh, alimenter par euh, l'appareil. L'appareil, autrement dit, qui va servir à lire le tag. Le téléphone, ça. Oui, le téléphone, en fait, va alimenter la mémoire du tag. Donc, le, le tag va se faire alimenter et ensuite de ça, euh, en fait, s'alimenter, là, de quelle façon? En utilisant un peu euh, le principe de recherche sans fil ou de recherche, euh, euh, de recherche par induction, quoi. Ouais, ou Apple Pay, carrément. Euh, ouais, mais à, avant d'aller à Apple Pay, euh, c'est qu'une question qu'il faut que la mémoire soit alimentée parce que pour l'air de la mémoire, la, la, la mémoire va devoir être alimentée. Okay. Et là, dans le fond, ça utilise la, la recherche, la technologie, si on veut euh, quelque chose de similaire à ce que peut offrir de la recherche sans fil. Et euh, en ce de ça, le lecteur euh, de NFC, dans le fond, va être en mesure d'aller lire le contenu de la mémoire euh, présente, en fait, dans le, le, le petit tag, autrement dit. Et euh, il y a juste un inconvénient pour le moment. Euh, le NFC, il y a une, y a une espèce d'incompatibilité avec le métal. C'est sûr que si on met un tag NFC sur une canne de conserve, euh, ça fonctionnera pas. Ça sera pas en mesure de. de on ne sera pas en mesure d'écrire ni de lire sur le tag. Ça, ça va faire une interférence avec le métal. Euh, question, je pense, des champs magnétiques, quelque chose comme ça. Euh, mais euh, il existe par contre des tags qui euh, intègrent en fait euh, dans la pellicule collante, là, euh, qui intègrent des, euh, des, euh, des espèces de petites euh, des isolants, là, genre une espèce de, de genre de caoutchouc, de mince feuille de caoutchouc, ou je ne sais pas trop quoi exactement, qui isolent euh, entre le tag et le métal le rendant euh, ainsi euh, parfaitement lisible lorsque collé sur un objet métallique. Les tags, ça se vend de quelle façon? Ça se vend euh, soit en bande, donc euh, dans le fond, on les décolle et on les colle euh, sur l'objet qu'on veut identifier ou des fois, il y en a aussi qui se vendent euh, tous séparés, mais généralement, les tags sont, toutes, euh, sont tous autocollants, quoi. Au niveau des applications dont on va parler, euh, il y en a euh, plusieurs qu'on va regarder, surtout du côté de iOS. Il y a NFC Tools qui va permettre de lire et d'écrire euh, les tags. Euh, pourquoi NFC Tools? C'est que l'application est disponible euh, en français. On va regarder aussi NFC Reader. Euh, on va regarder euh, qui permet en fait seulement de lire. On va regarder aussi NFC Utilities. L'application est en anglais. Euh, mais cela permet aussi d'écrire, on va davantage regarder du côté de la lecture avec euh, et il euh, y en a une petite dernière aussi, euh, NFC Tag Info, qu'on va regarder pourquoi euh, comme lecteur de tags c'est bien et c'est sans pub. L'autre chose aussi, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont probablement lu des... Euh, des, des critiques par rapport à l'application NFC Ideas, comme quoi que c'est bien fait, comme quoi que c'est accessible. Euh, franchement, je dirais que euh, peut-être à l'époque où ce que les articles ont été rédigés, oui. Par contre, aujourd'hui, je regarde l'interface et franchement, contrairement aux autres applications, c'est assez médiocre. Euh, c'est assez complexe de naviguer dans les menus. C'est pas. Euh, puis en fait, c'est une espèce de, de genre de grosse page web en même temps que tout le reste des contrôles de l'application. Donc, c'est... Euh, c'est pas, c'est pas, c'est franchement pas génial. Aussi, il y a d'autres applications qui, sur iOS, utilisent le NFC depuis quelques temps, euh, mais qui ne sont pas compatibles avec les tags grand public. Je pense que ça vaut peut-être la peine d'en glisser un mot. Il y a deux applications comme ça que j'ai euh, attrapées. Il y a Way Around et il y a uh, Script Talk. Dans le cas de Scriptalk, dans le fond, c'est une application qui est euh, destinée aux médicaments, donc aux pharmacies. Le pharmacien euh, doit étiqueter euh, les euh, emballages de médicaments avec des, des tags, une application, dans le fond, euh, euh, spécifique à la pharmacie. Ensuite de ça, la personne qui a une limitation visuelle a la possibilité me de relire dans le fond le tag et euh, d'avoir la posologie du médicament. C'est disponible au Canada, c'est disponible aux États-Unis, c'est en anglais seulement. Au Québec, il n'y a absolument aucun euh, détaillant participant pour le moment. C'est à préciser. C'est dommage parce que ça pourrait être utile. Du côté de Way Around, euh, ils offrent différents euh, tags qui sont achetables directement sur leur site web. C'est beaucoup plus dispendieux que des tags euh, NFC qu'on peut trouver sur Amazon. Par contre, il y en ont plusieurs catégories donc de ceux qui peuvent par exemple se clipper. J'ai l'impression avec des pinces. Il y en a pour le, spécifiquement pour les vêtements pour le lavage, etc. Euh, par contre, euh, c'est ça, c'est il faut absolument acheter leur matériel. Euh, donc, je pense que ça va peut-être finir par perdre un petit peu d'intérêt et c'est en anglais également seulement. NFC, qu'est-ce que ça veut dire, l'acronyme, juste avant qu'on commence avec notre première app? Near field communication. Exactement. Et pourquoi? Parce que, ben, dans le fond, le NFC, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais euh, quand on lit ou qu'on écrit la puce, on n'est pas obligé, en fait, d'être collé dessus. Ah, tu vois, moi, je le colle. Euh... Ben, tu peux le coller, ça va fonctionner, mais tu peux laisser, mettons, de 1 à 2 cm entre ton appareil, ben ton lecteur NFC et euh, la puce. Mais comme en porter. Oui. ouais exactement. Même genre de principe, effectivement. Donc c'est à peu près euh, bon, pas plus que 2 pouces évidemment, parce que 2 pouces, euh, ça marchera pas. là Mais euh, généralement, un pouce et moins, ça devrait embarquer. Et euh, ils sont où les capteurs euh, de NFC sur les téléphones? Ils sont généralement toujours dans le haut, Samsung, J'ai vu qu'il est un petit peu plus orienté vers le milieu de l'appareil. Donc prenez le tag, vous allez le trouver. Euh, puis l'autre chose à noter au niveau des iPhones qui supportent le, le, le NFC, euh, c'est à partir du iPhone 7. Euh, donc iPhone 7 et, et plus euh, et supérieur en fait, euh, par contre euh, euh, du côté des iPhone XS, XS Max et XR ou supérieur on a également la possibilité euh, d'être en mesure de lire des tags NFC en tout temps pour associer des tags à des automatisations tantôt on va en parler, pour ceux qui ont de la misère à utiliser leur téléphone en plus d'identifier des objets, ça peut être euh, franchement euh, utile entre autres je peux, euh, mettons euh, je peux me faire un tag Olivier. Dès que je tape sur mon tag Olivier, dans le fond, ça va l'appeler. Ou simple que ça. Fait que, ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait commencer euh, par euh, voir comment est-ce qu'on écrit l'information sur un tag. On va se concentrer davantage sur iOS, puis après ça, on ira peut-être euh, parler un petit peu plus d'Android. Ouais, donc, euh, à côté de moi, j'ai mon étui de Bose Frames qui a un tag NFC de coller dessus. Une notification. Ne des... pas déranger, les notifications et les appels seront silencieux jusqu'à demain à 7. Donc. Avion. Je vais ouvrir NFC Tools sur mon iPhone XR. 3. To watch NFC simply NFC Tools. NFC Tools. Vous aimez NFC Tools? Notez la classement. Plus tard. Bouton. Oui, plus tard. Fatiguant. Bouton. S'il ouais, euh, y a des autorisations à donner aux applications, vous pouvez euh, en général les donner, euh, mis à part que des fois NFC, ben, les applications NFC vont demander euh, des autorisations de localisation. Libre à vous de les donner ou non. J'en ai pas eu une par contre. Je pense c'est Simply NFC qui m'a demandé euh, d'avoir accès à mes paramètres de domicile, oui. sachant que, ouais, hein, oui. Oui, oui, oui. Euh, moi, sachant que j'en avais pas, j'ai décidé de le refuser. Euh, euh, en fait, oui, j'ai du domicile, mais sachant que je ne voulais pas faire d'automatisation liée au domicile directement avec Simply NFC, j'ai décidé de le refuser. Euh, tantôt, on, on le verra peut-être aussi. Euh, by the way, toutes les applications sont gratuites. Euh, Peut-être pas nécessaire de payer pour le moment pour une application gérant le NFC, moi l'application des, des, des fonctionnalités exceptionnelles, mais pour l'instant c'est entièrement gratuit. Euh, si vous avez à payer généralement, ça va surtout euh, avoir comme effet d'enlever les annonces s'il si y a. Oui, parce que ça dit souvent à, à inclure des achats intégrés. Oui, c'est juste dans le fond pour enlever la, la pub, quoi. Ah ok. La pub, euh, c'est ça, en fait bas de l'écran. On va commencer. NFC Tools, en ta. Bienvenue dans NFC Tools. Lire Bouton. Là on a écrire autre bout ouais. mes tags NFC. Bouton. On a plusieurs boutons, bouton, c'est ça. Je peux lire, écrire, autre et mes tags NFC. Autre, dans le fond, qu'est-ce que ça inclut? Donc, c'est des options permettant, par exemple, d'effacer un tag, de verrouiller un tag pour empêcher euh, toute forme d'écriture par la suite. Donc, après, le tag est absolument euh, inutilisable. Euh, ça permet aussi, donc, de l'effacer, de le protéger par mot de passe si le tag le supporte. Celui-ci, je pense qu'il ne le supporte pas. Euh, je pense que, globalement, c'est ça. Je me demande s'il y a Bonjour, gardé mes tags NFC. Et tu l'as Un enregistrement. Ah oui. Oui. Supprimé. Action effectuée. Supprimé. Donc, pourquoi mes tags NFC? Parce que, ouais, tu peux, dans le fond, euh, y dire d'en sauvegarder si vraiment tu y tiens. C'est pas obligatoire, mais voilà. Ouais, mais quand, quand j'ai testé tantôt, je savais pas, fait que j'ai tout enregistré. Bon, c'est pas manu, grave, on s'en fait chier. Il est parti, retour. tout simplement. Manu, je l'ai passé avec bouton. les actions du retard, en passant. Exactement. NFC, bienvenue. Lire bouton, écrire, bouton. On va écrire, et non écrire, mais écrire. C'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'accent sur le, ah. en fait. Je pense c'est juste pour cette raison-là. Ajouter un enregistrement, bouton. Plus d'options, modifier, bouton. Ajouter un, plus d'options, bouton, écrire, bouton, écrire. On va plus ajouter enregistrement. un enregistrement, bouton. Oui. Texte, enregistrer un texte. URL bar enregistrer un lien. Texte. Oui, on va juste faire le tour peut-être de qu'est-ce qui est disponible. Donc, ouais, texte, texte, ça texte, permet. De... Voilà, ben je pense que ben, ouais, D'écrire, euh, mettons, ici ça va être BoseFrames. Euh, oui. En tout cas, peu importe le ouais. nom de l'objet qu'on identifie. URL bar enregistrer un lien. Un lien? URL bar personnalisé, enregistrer une URL bar je sais pas en fait. Ah, je pense en fait la différence c'est que le premier c'est juste pour des URL web, le second c'est peut-être mettons pour du FTP du SSH des choses comme ça. Réseau social. Enregistrer un réseau social. Ah oh, ouais. Oui, euh, ça peut être directement amener sur un profil Facebook. Ben oui hein. Ben oui, c'est mon goal, là. Recherche. Ajouter un lien vers une recherche. Wow! Je sais pas exactement de quelle façon il fonctionne. Je l'ai pas expérimenté, mais oui c'est disponible. Fichier. Enregistrer un lien vers un fichier. Voilà, pour un fichier, okay. mais ça mettra pas par contre le fichier sur le tag. Attention, là, c'est pas une clé USB, il un tag. Non, un <laughs> un tel, Soit, ça va être un téléphone Soit Ouais, dans le fond d'après moi, c'est genre un lien vers un fichier du téléphone ou je, je ne sais. Là. Hmm enregistrer un email. Dans le fond c'est quoi c'est un, un courriel exemple euh, on est euh, on a un produit qu'on commercialise tu scannes mon tag je te mets un courriel mettons pour avoir du support donc l'adresse email est déjà rentrée, l'objet est déjà rentré, tout ce que tu as à faire c'est taper ton, ton 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 message, cliquer sur envoyer. Donc c'est pour faire genre des, des espèces de canvas, en fait. Contact, enregistrer un contact. Ben, ça, dans le fond, c'est tout simplement pour euh, transformer votre tag en carte de visite. Numéro de téléphone. Contact, enregistrer. Euh, toutes les infos du contact sont déjà rentrées, fait que quand tu le scans, ça. Euh, ça te pop une fiche de contact, tout simplement. Voilà. Ah ouais. Mais ben oui. Numéro de téléphone, enregistrer un numéro de téléphone ça doit être la même affaire exact et à noter by the way qu'un tag aussi peut avoir plus qu'une entrée en même temps ah ben oui ben oui tant que ton tag est pas plein tu peux mettre le nom d'entrée que tu veux l'ami donc par exemple on pourrait mettre le texte et tu des beaux de Holly mais comme numéro de téléphone je pourrais te mettre le numéro de téléphone du sport de chez Bose ah ben oui c'est ça que ça permet de faire aussi Tant que ton tag est pas plein, soit correct. Ok. Voilà. Je suis nouveau là-dedans. C'est pour ça que je t'explique Enregistrer un SMS. Bon, c'est le même genre de principe que pour le courriel. Juste un canevas, quoi. FaceTime. Enregistrer un lien FaceTime. Voilà. Donc, euh... Localisation. Enregistrer une localisation. Je, je pense que ça enregistre une espèce de, de position sur la map ou je ne sais quoi, mais c'est quelque chose comme ça. Adresse. Enregistrer une adresse. J'ai l'impression pour scanner éventuellement dans un logiciel genre à la Google Map, ou bref, ça, ça, ça peut permettre, mettons, d'enregistrer une adresse exacte, de trouver quelque chose comme ça. Bluetooth. Ajouter une connexion Bluetooth. Ça, euh, moi, j'ai hâte de l'essayer. Cela, je l'ai pas fait, mais j'ai hâte de l'essayer. Bon, j'ai l'impression, ouais, il faut falloir le faire hors euh, euh, émission là, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on rentre toutes les coordonnées comme faut d'un appareil, ma adresse et nom et euh, tout ce genre de trucs-là. Mettons le tape sur des écouteurs, ça pourrait permettre, par exemple, de configurer donc directement dans le fond l'appareil dans, dans le téléphone sans avoir à Peut-être nécessairement passer par le processus de jumelage. Mais là, par contre, c'est que ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, peut-être que l'appareil de son côté a besoin de se faire jumeler, puis que là, ça marchera pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus des options en bêta. Réseau Wi-Fi. Configurer un réseau Wi-Fi. Oui, euh, ça aussi, effectivement, euh, il y a maintenant la possibilité, euh, vous coller mettons, un, un tag proche de votre porte d'entrée, quelqu'un qui arrive chez vous tape le tag avec son téléphone, c'est sûr que ça prend l'application euh, pour lire le tag, à l'exception peut-être d'Android, puisque là, ça va être géré nativement, mais euh, aura la possibilité directement de se connecter à un réseau Wi-Fi. J'ai effectué des tests en ce qui a trait à euh, l'utilisation des tags NFC euh, hors émission euh, pour ce qui est en fait euh, du couplage euh, directement à un appareil Bluetooth ou euh, pour la connexion à un réseau Wi-Fi. Eh bien, les conclusions sont les suivantes. IOS, euh, ben, en fait, euh, on le sait, ne lira pas de tag nativement ou ne proposera rien en numérisant un tag à moins que celui-ci contienne une. URL. Donc, euh, même si, euh, contrairement à Android, là, euh, il y a, par exemple, du texte sur votre tag, iOS ne le lira pas. Par contre, euh, donc, euh, puis en fait, c'est la même chose si on enregistre un, un enregistrement Bluetooth ou Wi-Fi. Euh, du côté du Wi-Fi, j'en en ai enregistré un, donc j'ai dû rentrer manuellement le nom de mon réseau, le mot de passe, le type de sécurité, etc., etc. Et, euh, dans le fond, j'ai essayé de numériser mon tag avec tant... Euh, iOS que Android. Du côté d'Android, sans même utiliser d'application, dès que, effectivement, je m'approchais de mon tag, on me proposait Bon, ben, euh, veux-tu te connecter au Wi-Fi que tel nom, tel type de sécurité Dans le fond, tout ce qui me restait, c'était à euh, cliquer euh, tout simplement et bêtement sur euh, oui ou autorisé ou ok, action dans le fond. Par contre, du côté d'iOS, ça nécessite. Une application tierce, on va voir des lecteurs tout à l'heure pour lire le, le, le NFC, une grande majorité d'entre eux. Permet euh, d'utiliser donc l'option. Et euh, si on numérise le tag avec une de ces applications-là, euh, dans une majorité des cas, vous allez être en mesure de pouvoir euh, vous connecter au réseau Wi-Fi. Du côté du Bluetooth, également, je l'ai essayé de la façon que ça fonctionne. Il faut en faire entrer pour ceux qui savent ce que c'est, la MAC adresse du périphérique Bluetooth auquel on, on, on souhaite se connecter. Et euh, donc, je l'ai fait avec un haut-parleur. J'ai rentré donc la MAC adresse. Dans le fond, c'est un identifiant unique là, qui représente le périphérique. Donc j'ai rentré la Mac avec iOS. Aucune application m'a permis de me connecter au périphérique en numérisant mon tag. Android, ça s'est fait nativement et j'ai pu en fait euh, tout simplement autoriser la connexion, même le haut-parleur étant fermé. La seconde, j'ai ouvert le haut-parleur. Magie, la connexion s'est établie. Et chaque fois que je passais mon téléphone sur la puce, donc le, le tag, soit que ça déconnectait ou que ça reconnectait mon haut-parleur. Donc, quand même très pratique pour effectivement des haut-parleurs ou pour ceux qui sont utilisateurs d'écouteurs. Euh, Bluetooth, évidemment. Donc, euh, ça se passe de cette façon-là. Et euh, franchement, euh, c'est vraiment intéressant là euh, pour ceux là qui, qui auraient par exemple de la difficulté à coupler un périphérique Bluetooth. Mais pour l'instant, iOS ne semble pas du tout gérer la chose. Donner, enregistrer des données personnalisées. C'est genre une espèce de petite base de données que NFC nous offre. NFC nous offre raccourci, exécuter un raccourci. Oui, mais ça, on va le voir plus tard, non pas en utilisant NFC Tools, mais on va le voir euh, plus tard en utilisant euh, iOS, en fait, parce que iOS présente maintenant la possibilité euh, d'exécuter des actions sans même euh, le besoin euh, d'avoir une application d'ouverte si vous avez un iPhone euh, supérieur au iPhone X. Donc, euh, ça peut être intéressant de ce côté-là, mais on va le voir directement par l'application raccourci d'iOS sans même utiliser NFC Tools. Raccourci. Exécuter un raccourci. C'est tout, en fait. Voilà. Bon, on va aller ajouter un Ajouter un enregistrement. Texte. Enregistrer un texte. Texte. Renseignez votre texte. Hello. Champ de texte. Salut. Champ de texte. Supprimer. Donc, on peut écrire n'importe quoi, en fait. E, 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 L. Accent E. accent T, T, U, U, I, I. Espace. Et tu Majuscule au oh, majuscule O oh, majusc L. L. I. I. Bouton de retour. Solitaire. Q. Bouton. Ajouter un en, OK. Bouton. Il est beau, il est perdu okay. avec tes suggestions, hein? Bouton de retour. OK. sais pas du ce qu'il a pris, là. Accueillir. On s'arrête. <laughs> modifier. <rire> Bouton. Ajouter un enregistrement. Bouton. Modifier, en fait, ça permet, donc, de, de modifier les enregistrements si on souhaite en, en supprimer ou en réordonner avant d'écrire notre tag. Plus d'options bouton, écrire baroblique 16 bytes, bouton. Et là, donc, on est prêt à écrire 16 bytes. Avertissement, prêt à détecter, prêt à détecter. Donc, t'as cliqué, je il est prêt à taper le tag, exactement. Oups. Connection error. Please parce que je pense l'éloigner trop vite. NFC tools, Oups. Il faut vraiment cliquer aide. sur OK. bouton. Écrire baroblique 16 bytes, bouton. Re, oui, reclique dessus. Prêt à détecter. Il là, normalement... Voilà. Là, il a accepté. C'est beau. NFC Quand on entend Tours. le petit son, dans le fond, là, ça, ça nous indique que le tag, euh, dans le fond, l'écriture s'est effectuée. Et voilà. Donc, euh, oui, NFC Tools garde les données en mémoire. Si tu veux... Euh, en fait, pourquoi il fait ça? C'est tout simplement pour euh, pouvoir... Euh, euh, les écrire directement sur un autre tag. Si euh, tu veux euh, réécrire un, un tag complètement différent, euh, va trouver, je pense, plus d'options. Menu, menu, bouton de retour, menu. Non, pas là, pas là. Bouton, NFC de, toujours, est toujours dans écrire. Bienvenue dans lire, écrire, bouton, ajouter un enregistrement. Okay. Bienvenue, bienvenue dans NFC texte, et tu lis. ouais c'est ça, il est toujours là. As tu plus d'options. Écrire, oblique, plus d'options. Voilà, bouton. Ici effacer la liste, bouton. Et là, si tu cliques, je pense sur effacer la liste. Importé depuis un tag NFC. Oui, ça d'ailleurs, ce sont des options importées depuis un Tag NFC. Et les prochaines, ce sont des options qui appartiennent à la version payante de l'application de ce côté-là. Mais franchement, pour faire du copier-coller de Tag NFC, si vraiment vous avez besoin de faire ça, ben là, allez-y, achetez peut-être la version. Mais sinon, pour le commerce des mortels, je pense pas que ça va être utile nécessairement. Ça coûte très gentil. Bouton Bouton de retour. Écrire. Euh, non, clique sur effacer la liste en fait. Écrire. Modif. Ajoute. Plus d'options. De... Plus d'options. Éffacer la liste. Bouton. Ouais, ici. À... efface la liste en cours des enregistrements. Yes. Êtes-vous sûr? Oui. Non. Bouton. Oui. Bouton. Et Mais, euh, vous vous en passant, rapport. en fait, euh, je pense que euh, NFC Tools va aussi effacer la liste dans le cas euh, unique où vous fermez complètement l'application depuis le sélecteur d'application. À ce moment-là, ça va l'effacer. Ce qu'on peut peut-être regarder, c'est euh, comment est-ce que ça se présente la lecture lorsqu'on utilise NFC Tools. Après ça, euh, moi, je suggère peut-être à ce qu'on aille euh, regarder peut-être les les, les les options autres de NFC. Et euh, dans le fond, juste avant, euh, ben dans le fond, on ira après cela voir les autres applications de lecture. Oui, Bouton de. Yes. Bouton. Okay. Okay. Bienvenue dans NFS. oui, boutons. le premier bouton de l'application en haut qui est non labellisé, c'est les paramètres. C'est un des seuls boutons qui est non labellisé, mais Voiceover devrait, je pense, le dire que ça correspond à peut-être paramètres si on le laisse parler. Dans ce cas, Bienvenue le dit. Dans NF, Bouton. Peut-être réglage. Ouais, ben voilà, peut-être réglage. Donc oui, c'est effectivement les réglages. C'est le premier bouton qui est non labellisé en haut. Bienvenue dans NFZ. Après à détecter. Type de tag, ISO 14443A3A. Voilà, donc là maintenant on a toute l'information sur le tag. Information mémoire, 180 bytes, 45 bytes. Okay, c'est 180, 180 bytes la mémoire. Il vient nous le dire. Oui, mais je pense qu'on n'est pas au début. Non, vas-y, Bouton. le tour. Bouton de retour, détail du tag, en tête, enregistré. Bouton, type de tag, ISO 14443A3A, NXP, Mifar Ultralight, NTRG 213 Voilà, donc ça, c'est le type de tag. Euh, by the way, le bouton enregistré, c'est là, dans le fond, je pense que tu avais cliqué tantôt pour que ça se ramasse dans mes tags, hein? Ok, c'est ouais, ça. je pensais qu'il fallait enregistrer pour que le ligue. Non, 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 Technologie disponible, type A, Ultralight. Ok, ça, c'est le type. Euh, Numéro de tag, ATQA, 0F, SAC, 0, 5, 0 protégé par mot de passe, non. Information mémoire, 180 bytes, 45 pages, 4 bytes par page. C'est quelque chose de technique encore une fois. Hein. Format des données, NFC Forum Type 2. Taille, 16 barres obliques, 137 bytes. Écriture possible, oui. Enregistrement zéro texte, et tu as Voilà, donc là on vient de ramasser notre enregistrement et tu as euh, Puis là je pense que c'est au bout. Enregistrement ouais. zéro texte et tu y as -y. Et voilà. Donc Monique. on s'entend que c'est. Puis là mais ben, à chaque fois que Bouton. vous voulez lire un tag, il faut reculer, il faut aller cliquer sur lire, il faut passer au travers de toute l'information technique sur le tag, dont on s'entend que euh, la majorité du monde s'en fiche royalement. Donc ça, ça peut devenir euh, vite euh, fatigant. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va regarder d'autres applications de lecture qui sont beaucoup plus optimisées de ce côté-là euh, plus tard. Euh, Peut-être on pourrait faire un espèce de petit tour rapide des options euh, autres. NFC, bienvenue, lire, écrire, autre, bouton, effacer oh, un tag. Bouton. OK, Alors, on passe au début. Autre, en tête. Yes. OK. Oui, oui. Effacer un tag, bouton. Effacer un tag pour reformater la mémoire. Attention euh, effacer un tag ne formate pas la mémoire il y a une option plus loin pour le faire c'est quelque peu différent effacer je pense que ça va juste comme remettre certaines choses à zéro euh, formater la mémoire va aller peut-être chercher beaucoup plus loin et c'est pas tous les tags qui peuvent se faire formater la mémoire tu vois il y a l'option plus loin la mémoire. Dans la mémoire, ce que ça va donner, c'est euh, l'information que y de présente à chaque adresse mémoire. S'il y en a qui savent de quoi on parle, on va parler de tout ça de ça. Je sais même pas de quoi tu parles. Dans la mémoire, tout est adressé euh, C'est euh, ben, ben, Veux-tu le faire en 30 secondes? Euh... Non, ça, je Dans le fond, c'est des adresses généralement hexadécimales. Tout est adressé à chaque, euh, dans le fond, adresse. Tu vas avoir une information qui est notée. Okay. C'est, comme ça que ça a l'air. Euh, continue. Formater la mémoire. Bouton. Lève-le l'option. Ah. Formater la mémoire qui est quelque peu différente de effacer un tag. Définir un mot de passe. Bouton. Définir un mot de passe. Euh, clique dessus. Tu vas voir, il va nous dire normalement qu'est-ce qui est compatible avec C et à quoi ça sert exactement. Définir un mot de passe. Champ de texte. Modification en cours. Votre mot de passe. Euh... Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les puces. Définir un mot de passe. Définir un mot. De... Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les puces NTRG21XC Ultra Light V1. Attention, votre puce NFC ne sera pas accessible en écriture sans le mot de passe. Cette action ne peut pas être inversée si vous oubliez votre mot de passe. Ok. Mot de passe. Donc dans le fond le mot de passe bloque la puce en écriture, mais par contre on n'a pas ici de tag qui est compatible avec ça. J'ai bien l'impression. Donc euh, puis ils nous ont quand même averti de la chose. Euh, donc je pense qu'on peut juste sortir de là. Chant. Annulé. Bouton. Retirer un mot de passe. Bouton. Bon mais je pensais hein, on sait à quoi ça sert. Ouais. Retirer un mot, de... définir un mot de passe, retirer un mot de passe. Ouais. Euh, il manque une option. Déformater la mémoire, définir un mot, retirer, un... retirer un mot de passe. Ouais, une option, bouton. Euh, où est ce qu'elle le tag? Déformater la, lire la mémoire, verrouiller un tag. Ah, bouton. la voici. Clique dessus, s'il te plaît. Effacer un tag, bouton. C'était juste après. Effacer un tag, ouais, on... je pense qu'on l'a skippé. Verrouiller un tag, bouton. A... Attention. Ce processus ne peut pas être annulé. Êtes-vous sûr? Et là, qu'est-ce que ça fait dans le fond Ça rend le tag complètement euh, impossible à réécrire. Donc, si par exemple on on souhaite par exemple faire des cartes de visite avec des tags, ben là à ce moment-là, il les Mais euh, soit dit en passant, un tag, ça peut être écrit. Euh, euh, plusieurs, 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 plusieurs fois. Euh, en fait, vous allez scraper le, le tag avant d'avoir dépassé sa limite en écriture. Donc, si vous voulez être capable de réécrire le tag, ne le verrouillez pas. Euh, sans quoi, ça va, euh, dans le fond, empêcher euh, l'écriture ou toute forme d'écriture sur le tag. Annuler. Bouton. Donc non, on ne le fera pas, on va pas un tag de inutilement. Voilà, euh, Ben je pense que ça fait pas mal le tour pour l'appli euh, euh, NFC Tools. Euh, dans les paramètres, il n'y a rien de très, très élaboré de ce côté-là. Euh, je vais vous laisser, on va peut-être vous laisser aller les explorer euh, par vous-même tout simplement. All right? NFC. Yes, ben, peut-être juste avant qu'on ait plus loin, euh, un petit coup d'Android entre les deux, ça serait ah. peut-être pas méchant. Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? OK, j'ai juste verrouillé. Oui, c'est correct, il n'y a pas de Un euh, petit coup d'Android, je pense que ça serait pas bête. Euh, sur Android, bon, NFC Tools existe. C'est une appli qui existe, et en plus de ça, NFC Tools permet d'automatiser. Mais par contre... Sans même avoir utilisé quelques appli que ce soit. Donc, nativement, avec un téléphone qui détague le, le tag NFC, ici, par exemple, j'ai un garçons, Pixel on apparaît, 1 permis, qui, ben d'ailleurs, est en de fin de vie. vie. Euh, mais il va très bien faire le travail. Euh, il est quand même Android 10. Je suis sur mon oui. écran d'accueil. Pixel 1. Et maintenant, je vais scanner notre tag qu'on a enregistré avec l'iPhone. Et voilà, instantanément. Et tu es C'est automatiquement détecté. J'ai aucune application. Je n'ai qu'à numériser mon tag. Ça se fait en une seconde. Et on va voir plus tard tantôt que Samsung permet aussi euh, de signer des étiquettes vocales. Bien sûr, il existe des applis sur Android comme NFC Reader, comme NFC Tools. Euh, à vous de les voir. Maintenant, euh, ben écoute, on pourrait peut-être commencer directement par euh, NFC euh, euh, Reader sur iOS, à regarder comment ce qu'elle fonctionne euh, et peut-être regarder son mode auto-scan. Sur Android, tu veux dire? Non, sur iOS. Ah, un mode auto -scan, ok. Oui, 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 sur, euh, sur iOS, il euh, y a des... mais ça nécessite par contre de lancer l'application, on n'a pas le choix. Contrairement à Android, où on a juste à, euh, dans le fond, euh, tout simplement euh, taper sans même Avion. avoir aucune appli d'installer parce qu'Android le lit directement avec le système. Même avec les plus vieux modèles, ben là, c'est sûr qu'il y a des téléphones qui ont pas de lecteur NFC. Fait que là, ben ne cherchez pas à en scanner. Là. Mais euh, Pixel en a toujours eu. Je sais pas, Motorola, si en a, ça serait à voir. Euh, je pense que oui. Sûrement. Sûrement, en fait. The watch the NFC. Simply NFC. NFC. NFC Reader. Ouais, va me chercher celle-là. OK. On va commencer par celle « NFC Reader. Item. Bouton. OK. Euh, commence par te rendre dans Items ». Moi, je vois NFC Reader là pour éviter la pub, toute la cochonnerie. Là, on va directement euh, se rendre dans Item. Et faire peut-être juste un tour d'écran, tu vas voir quand même que c'est assez simple. Organize. Bouton. Organize. Euh, ça permet en fait de sauvegarder des tags, des organisations, on s'en fiche royalement. NFC Reader. On tête, Scan. Bouton. Le bouton scan, il est ici. Euh, puis avance encore. C'est de la pub. C'est carrément de la pub et surtout, euh, cliquez donc pas dessus, s'il vous plaît. Donc, va t dans Items qui se trouve avec les de Organize Items. Bouton. Close. Bouton. OK, parfait. Profil. En t'arrête. Avance, je vais montrer une option. Ads. En tête. Remove ads. Non, c'est pas ça que je cherche. Restore purchases. Settings. En Scan on launch. Oui, cauchemar le scan on launch. Scan on launch. Bouton. Désactiver. Activer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est numériser dès le lancement de l'application. Voilà. Euh, on va voir. Je pense qu'on n'a même pas d'autres settings intéressants. Par info. Entaète. NFC FAC. Non, c'est tout. App C'est tout. Close. OK, close. ouais. Clique bouton. sur Close. Ferme l'app. Alors, lance-moi ça. Clique sur bouton. Sélecteur d'app. NFC Reader. Right. Fermez NFC. Sélecteur d'app. NFC Tools. Action action. There we NFC Tagaf. Page 4. NFC Reader. « Avertissement. Item. Reader. Voilà. Ping ton tag, passe là-dedans, ça va le détecter automatiquement. Avertissement. Tac. Autoriser NFC Reader à vos... euh, accéder à vos données de localisation. Autoriser mmh, NFC Reader à accéder à vos données de localisation. NFC Reader would like in use localisation. date lorsque la pétacle Autorisé une fois Refusé. Bouton. » C'est parce qu'ils peuvent associer les tags qu'on a scannés à notre location, Bouton. on s'en fiche royalement. Bouton. Okay. Share. Bouton. Message 1. On t'arrête. Et tu lis. Déjà, il y a encore de la cochonnerie qui traîne autour de ça. Euh, il y a encore des petits trucs qui traînent autour, mais euh, globalement, c'est beaucoup plus euh, épuré que ce qu'on a vu avec euh, euh, NFC Tools lors de la lecture. Essaie de, de, de sortir du tag, puis on va juste le scanner pour voir à quel point Close. ça peut être simple. Clique sur Close. Item. Bouton. Si tu veux aller plus vite, sors de l'appli et rentre dedans. Juste euh, en allant à l'accueil. Oui, oui, juste en allant à l'accueil. Normalement, je pense qu'il va t'en remettre directement en scan mode. NFC, page 4, NSC Reader. NFC Reader. Item, il va le faire. Oh non, ok, il est pas assez smart pour euh, pour le faire. On n'aura pas le choix de de cliquer sur euh, sur, euh, sur scan malheureusement. Point. Tu n'auras pas le choix à ce moment-ci de cliquer sur scan. Par Prêt contre, lors d'un premier lancement de l'appli, c'était automatique. Voilà. Ouais, c'est beau. Il y a il y a il y, a, il y a un peu. On a être, Et tu lis. Et tu lis Et voilà. Donc voilà, c'est c'est automatique. Um, on va aller en voir d'autres. Il, il y en a d'autres qui existent. Si vous aimez pas celle-là, euh, voir peut-être pour euh, Simply NFC. Close, close Bouton. On NFC. On va leader. juste en passer Simply plusieurs. NFC. Tiens, Simply NFC. close, bouton. Regarde-moi les onglets dans le bas de l'écran. Right. Sélectionnez. Read, Donc, anglais, read, read exact. Le on est déjà dessus. Et l'autre onglet, c'est write. write. Donc, okay. deux, deux, deux. write right, euh, anglais, pour écrire, deux, deux. tout simplement. Donc, read, lire, write, écrire, c'est aussi simple que ça. Et euh, ben, en fait, là, euh, write, euh, vous avez, vous allez avoir des, des options assez similaires à NFC Tools ». Bien que de la façon que moi j'ai remarqué ça, des fois les deux applis s'aiment pas mutuellement euh, la face là entre guillemets. Des fois il y a des, des petits glitches qui font que ce qui est écrit avec une est lisible bizarre sur l'autre, inversement. Moi j'ai trouvé à date que celle qui écrivait le plus universellement pour les autres applis, c'est euh, NFC Tool définitivement. Mais vous pouvez évidemment utiliser euh, Simply NFC pour euh, écrire, il y aura pas de problème. Euh, vas-y euh, on est déjà dans read va-t'en dans settings on va aller tout de suite activer le auto scan launch ça va être encore settings. plus settings bouton settings simply NFC bouton settings settings okay. process content start reading on applaud launch store history Hop, bouton start. start reading on applaud launch bouton désactiver Ok, donc start reading on app launch, donc euh, démarrer automatiquement la lecture dès le lancement de l'application. Pour faciliter la vie, moi je conseille qu'on qu 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 coche cette option-là, qu'on l'active. Activer. Yes. Ok. Euh, avance plus loin, je pense que le reste c'est pas super pertinent. Tour history. Bout using a browser. Euh, y Bouton. Coché? Désactiver. Store history. Bouton. Activer. Euh, moi, j'enlèverai l'historique de, de stockage. Ça ne absolument activer. rien de lecture. Oui, enlève-moi ça. Browser. Bouton. Okay. Euh, en fait, on ne veut pas garder de traces de, de, de toutes les tags qu'on va scanner nécessairement. Vas-y, avance. Bouton. Désactiver. Uh, clear records on the right, donc c'est quoi? C'est vider la, la liste euh, d'enregistrement à l'écriture. Donc dès que vous avez écrit, ce que vous voulez? c'est tu sais, un peu tantôt quand quand on a fait NFC Tools, euh, il nous a gardé notre liste de qu'est-ce qu'on oui, avait. ouais oui, oui, oui. c'est ça. Donc si tu veux casse vide, coche option là après l'écriture. Okay. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Euh, on fera pas d'écriture avec nécessairement, fait que c'est euh, peut-être la cocher pour le futur. Si vous pensez faire de l'écriture, moi je suis déjà peut-être la cocher, par exemple. De l'activer. Activer. Voilà. Send anonymous crash data. Bouton. Euh, c'est pour envoyer des logs, des les rapports d'erreur. Oui, ok, tu peux l'enlever, c'est correct. Bon, ça nous dit qu'est-ce que c'est que pas de données personnelles qui est envoyées dans les rapports de log. L'aide OK, je sais je pense qu'on a fini NFC, bouton de retour. OK. Donc on est revenu ici. Maintenant, avant, je vais juste montrer les options de l'écran de lecture. NFC, history, bouton. Ça c'est l'historique. Donc history, c'est l'historique de qu'est-ce qu'on a numérisé, mais là on y a dit de ne pas le garder, fait qu'il ne devrait pas en avoir. Multi NFC, bouton. Désactiver. OK, le Multiscan NFC. Malheureusement, moi, je suggère pas de l'activer bien que ça semblait très prometteur. Qu'est-ce que c'est le multi-scan? C'est que ça permet d'en scanner plusieurs, un à la, un à la suite de l'autre et après ça de cliquer sur OK quand on va avoir terminé. Et là, à ce moment-là, il va nous présenter pour chacun des tags qui a été scanné. Euh, toute l'information. Donc, si on se rappelle pas exactement dans quel ordre on a scanné quel tag, ben à ce moment-là, toute l'information va se retrouver mélangée. Euh, donc, moi, je recommande pas nécessairement de prendre ça ici. Euh, continue plus loin. Read NFC. Bouton. Read NFC. Bon, mais ben, ça permet tout simplement de lire un tag carrément. Avance encore. US bon, C'est de la pub. On peut ignorer le Ok. Euh, Voir l'accueil. essaye de relancer l'app, s'il te plaît. Simpli, Simpli NFC. Okay. Avertissement. Settings. Bouton. Prêt à détecter. Et voilà. Et elle, contrairement à NFC Reader. Avertissement. Scan. Place the back of the phone near the NFC Oui, tout le temps. Simply NFC. Scan result. Et tu lis. » Tac. Automatiquement. Donc là, avance encore. Share. Bouton. Donc partager, on s'en fiche. Ok. Oui, donc OK. Donc contrairement à NFC Reader, vous n'avez pas à fermer l'application au complet pour avoir à relancer un scan. Donc vas-y, retourne à l'accueil. lance ton app, Double-clique, tu es déjà dessus, la c'est un ce scan. NFC, c'est mon NFC. Euh, NFC. Voilà. Avertissement. Place ton tag. Bouton. Prêt à détecter. Avertissement. Scan. Place de l'application ici, ton NFC tag. Yes. C'est mon NFC. Scan Result. Dans le fond, ça a été plus long parce que j'ai eu de la difficulté, plus de difficultés à placer. What? Ouais, c'est parce que c'est sûr qu'il faut quand même enligner le tag, euh, même si on n'a pas le toucher directement. C'est juste, soit c'est ça, il faut le placer quand même dans la zone du lecteur NFC, puis si c'est un petit peu croche ou angulé, ça ne pas bien. Ouais. Mais bref, l'application, elle est très, très efficace pour lire dès qu'on active la, la lecture automatique au démarrage de l'application. Pas besoin, contrairement à NFC Reader, de fermer l'application, de gosser avec ça ou quoi que ce soit. Et finalement, dernière appli que euh, je veux montrer. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'elle est entièrement gratuite et sans aucune publicité. Euh, C'est euh, l'application euh, euh, NFC Tag Info. D'ailleurs, on va mettre tous les liens euh, vers ces applications-là dans la description du podcast. Sauf que euh, Simply NFC donne des, des informations un petit peu plus euh, complètes sur le tag que euh, le commerce des mortels ne intéresse pas nécessairement. On euh, va voilà, chercher NFC Tag Info. Yes, NFC Tag Info. NFC Tag Info. History. OK, on va faire le tour de l'écran. Bon, History, donc encore une history. fois, c'est l'historique, c'est ça, de qu'est-ce qu'on a scanné. « Settings », bouton. Les paramètres... Euh, « Scan et launch », bouton. Elle a-tu un mode auto scan Je me rappelle... Oui, je pense qu'elle en a un aussi dans les paramètres. Elle a aussi un mode auto Scan scan et show », bouton. OK, il y a deux boutons. « Scan and launch » ou « Scan and show ». Euh, pourquoi launch, lancer, donc soit ce euh, numériser et euh, lancer ou numériser et montrer? Pourquoi lancer? C'est tout simplement que si le tag contient une adresse internet euh, et que vous ne le savez pas, si vous cliquez sur scan and launch, automatiquement, quand vous allez passer le tag en dessous euh, du lecteur, ça va ouvrir l'adresse. Contrairement à l'autre où ce que euh, show, donc montrer, scan and show, va tout simplement l'afficher. Dans notre cas, c'est juste du texte, c'est sûr que ça, les deux vont faire la même action. Mais euh, si on ne sait pas qu'est-ce que sur le tag qu'on veut le voir avant, peut-être juste prendre scan and show euh, plutôt que scan and launch, mesure de sécurité. Euh, Vas-y, avance. bouton. Euh, je ne sais plus ce que c'est. Conteneur, langue, son. C'est une image, mais je ne sais plus c'est quoi l'utilité. O, ouais, N, espace. S, H. Envie. OK, sharp, je pense. -P. Non. Ah non, sharp. Icon sharp, c'est pour acheter des tags. C'est une boutique en fait qui, qui nous propose. C'est aussi simple que ça. I can help. Bouton. Et uh, I can help pour obtenir de l'aide. I can help. Bouton. That's it. Yeah, tout. That's it. Clique pour le fond sur Scan and euh, Show. Sc Scan and launch. Bouton. Sc Scan and show. Bouton. Ouais, celui-là. Avertissement. Prêt à détecter. Prêt à détecter. Parce moi le tag. Yes. Hold iPhone near IMDEF tag to scan. Ouais, ouais, on sait. NFC tag info. Okay. Action record. Entaète. Language. English. Bon, ça nous donne ça. C'est une information superflue. Et tu le lis. On a quand même trouvé notre texte, à... on a quand même trouvé notre compte à l'autre bout. Et tu le lis. That's it. C'est, c'est une autre possibilité de l'utiliser. Et celle-là aussi, si on va dans les settings, vas-y, ferme Close. le, Close. Ouais, ici. bouton. ici. History bouton NFC tag, settings bouton settings close bouton settings on general on tap launch containa bouton activer c'est pas ça que je cherche je continue auto start disabled bouton le auto start je pense qu'il est ici si on clique dessus donc euh, démarrage automatiquement OK mode disabled scan and launch ah voilà et là je peux chercher mon mode donc maintenant si scan and show scan and show General, entailler. Launch When feature is enabled, the scan will automatically start in the mode when showing the screen, allowing to quickly scan tags. Voilà. voilà ouais, donc... Ça explique que, que dès que va lance, va être lancé, il va être en mesure de numériser des tags. Il va être en mesure de reconnaître Voilà. Je sais pas s'il se comporte comme. Euh... Bon, c'est une bonne question. On finissait par mettre euh, avant? Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre, mais oui, mais c'est. on t'arrête. Bouton. Activer. Est-ce bon. que tu veux les stories? Bon, moi je vois. Disactiver. About. On t'arrête. À propos. Help. Help. Bouton. Contact US. Legal notice. Bon. Contact US. Pour les contacter à propos. Euh. Mention légale. Euh, mention légale, ouais, c'est ça. Close. Close. Fermé. Bouton. Avertissement. Prêt à détecter. Ben, prêt à détecter. Ah, puis on est déjà, je pense, prêt à détecter.

Et voilà. Puis là, euh, mettons, pas sur le bouton principal, retourne dedans. Il n'y a pas de bouton principal, Alex. Ah, oh, ben, en tout NFC. Tu as compris ce que je veux NF6. dire? NFC, pas de faux. Slide up, euh, mm -hmm. balai vers le haut jusqu'au au au deuxième close. clic. Bouton. Ah, j'avais pas. Avertissement. Okay, faut, prêt à détecter. Oui, il faut prêt à vraiment. À détecter. Ok, fait que dans le fond, c'est ça. Celle-là, tu as oh, juste à donc, cliquer close, okay. puis automatiquement, il est déjà prêt à détecter. Yes. Hold iPhone near IMDEF, tag to scan. NFC Tag Info. Close. Bouton. Sélectionner. Simple. C'est juste que... Simple. OK. Symbol. Expert. Bouton. Il va donner plus de... Oui, il va donner, je pense, toute l'histoire de la S, de la M, de C. Sélectionner. Expert. Deux. Icon Share. Bouton. Texte. Entaite. Def Properties. En ouais. tête, TNF, NFCO. Ouais. Oh, C'est okay. ça, le, ouais. le terrain. Ouais. Qu oui, quand j'ai sélectionné. Oui, quand, sélectionné. Ça fait rester en mode de simple record. et non en mode expert. Language, English, et Et voilà. Yes, et euh, dès qu'on fait close, autrement dit fermé, euh, on est prêt à scanner. Donc, tout dépendant de la méthode que vous voulez utiliser. Si vous avez plusieurs tags à numériser ou si vous voulez en scanner plusieurs rapidement, euh, ben à ce moment-là, il y a peut-être une application qui se prête plus que l'autre. C'est c'est à voir quoi. Maintenant, on va aller voir une option qui est quand même euh, assez intéressante et qui est offerte par euh, Samsung. Euh, c'est la possibilité d'associer des tags vocaux. Euh, euh, des notifications vocaux euh, des 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 puces NFC des tags NFC euh, on va commencer peut-être par formater la puce qu'on a je l'ai déjà fait ah OK tu l'as déjà formaté oui, avec, euh, pendant, euh, pendant pendant la pause oui content oh, parfait le on téléphone va... s'est barré il a est on en, oui. en profiter pour dire que écrans écrans. le lecteur d'écran utilisé c'est euh, voice assistant qui est, non est un lecteur d'écran fait par Samsung on utilise un Galaxy S8 euh pour euh, la démonstration. Ça fait le travail. Oui. Euh, puis, euh, est-ce que tu avais vérifié si euh, euh, voice, tag, voice Label, Voice Label, je ne me rappelle plus comment -ce que ça ce s'appelle, étiquette vocale, en fait, euh, Voice Label, probablement, euh, était euh, aussi fonctionnel si on utilisait TalkBack? Euh, non, je n'ai pas fait le test avec TalkBack. Ça serait bon de le vérifier, par exemple, juste au cas où, euh, quand on aura 30 secondes et quart. OK. Juste savoir si euh, c'est fonctionnel ou si... Euh, on le fera, nous, on le ouais. en pause, on le fera... Puis yes, vient, hein. ok, parfait. Bon, on y va, d'or et déjà, avec... Je vais d'or et déjà avec... On y va avec euh, Voice, euh, Assistant. Voice Assistant, oui. Si vous voulez un podcast plus détaillé, parce que c'est un lecteur d'écran par entière, on pourrait en faire un qui est disponible exclusivement sur les... Ouais, C'est pas un très bon lecteur d'écran, par exemple. Mmh, là, faut... Je préfère faut Ouais, définitivement. <laughs> Donc, je vais déverrouiller le téléphone. Yes. 10h34p. Glisser deux doigts pour dé. Appareil déverrouillé. Écran d'accueil Wannui. Donc, right. on va aller dans les paramètres. Écran d'accueil, page 1 sur 2 pages par défaut. Météo, toucher deux Écran application, NFC toll. Paramètres. Paramètres, affichage des éléments, son et vibrations, note affichage, fond d'écran, thème, écran verrouillé, c'est très caché, compte et sauf, Google, fonction, entretien d'application, gestion de accessibilité, mise en, accessibilité, accessibilité, affichage de l'élément et sur on remont, access, recherche, options, réduit, lecteur, Améliorate. améliorer, interaction et deck, paramètres, servir, paramètres avancés, paramètres avancés. Remonter par accès, bouton allumé et d'augmentation bouton de notification. notification rappel de notes désactiver étiquette vocale vers étiquette vocale écrivez des enregistrements vocaux dans des étiquettes NFC pour vous fournir des informations lorsque vous êtes à proximité. Les étiquettes sont achetées séparément et peuvent être associées à des objets ou lieux que vous utilisez régulièrement. Double touche pour activer Les dictaphone. Étiquettes. Et là, la première fois que vous allez lancer cette fonctionnalité-là, il va vous demander d'installer une application qui s'appelle Dictaphone. Donc c'est très très simple, vous cliquez sur Installer. Il va vous amener dans la boutique de Samsung qui s'appelle Galaxy App. Et là, ben, vous allez pouvoir cliquer sur Installer. Et le Dictaphone va être installé. Est-ce que ça, ça prend un compte chez Samsung absolument pour faire l'installation ou non? Pas pour ça, vois-tu. Euh, je n'étais pas connecté à mon compte Samsung parce que j'ai déjà eu des appareils dans le passé aussi. Mm -hmm. Mais pour essayer Bixby à soir, j'ai pas eu le choix de me connecter. Puis j'ai fait ça avant de me connecter. Bixby, uh, by the way, est-ce disponible en français ou Français-France seulement. OK. OK. Bon, une petite parenthèse. OK. Mais pour installer le dictaphone, quelqu'un qui n'a pas nécessairement de compte, euh, il est correct pour. Oui, euh... OK, super. Euh, OK, good. On va continuer ça. Normalement, on devrait être enregistré Donc, on va faire un petit tour de la fenêtre pour commencer. Vocal 006. Ouais, là il dit euh, 06 parce que j'ai fait des tests. Donc ça, ça démontre quelque chose en fait. Ça démontre que les étiquettes sont enregistrées. Euh, ben en fait les les mémo, les mémos vocaux sont enregistrés euh, dans le, le téléphone, la mémoire du téléphone et non pas dans le tag NFC, sachant que le tag n'a pas assez de mémoire pour enregistrer euh, notre voix directement. C'est good, on avance. Zéro seconde. Donc, ça, euh, c'est ouais, ça. Enregistrer. Touche. Parfait. Double enregistrer. touche pour activer. Je clique dessus. Donc, euh, Volume système, 40%. Ouais, lui, il n'arrête pas de parler en même temps. Et tu es euh, des beaux frames de Holly. Donc, euh, si vous utilisez euh, Voice Assistant, assurez-vous de faire ça avec des écouteurs. Sinon, ça sera peut-être pas de, de, de très bonne qualité. Vocal 00, 17 points sont annulés. Tout arrêté. Parfait. Maintenant, on va pouvoir le réécouter. Vote 0 secondes, max 20, annulé, lire, touche. Lire. Donc, euh, ouais, lui, il n'arrête pas de parler en même temps. Et <laughs> puis, euh, des beaux frames. De J'étais pas devant le micro. Donc, euh, si vous utilisez un euh, Assistant, assurez-vous de faire ça avec des écouteurs, sinon, ça ne sera peut-être pas de, de, de très bonne qualité. Vote voilà. vo 0 00, 18, max 20, annulé, lire, touche. OK. Okay. Lire, si je veux touche. par exemple à recommencer, je pourrais pour cliquer sur annuler. annuler. En fait, je pense que je vais le faire. Ça va aller plus Paramètres, vite. Paramètres par par, not, Étiquette bon Touche. Enregistrer. Double touche. Et dessus, des beaux de système, Olivier? Trois points. Annuler, arrêter, Tac. vocal 0, Max six. Annulé. Lire et tuer des beaux trains de Olivier. Voilà, c'est bon. Vocal 0.5. Max annulé. lire tout. OK. Je peux cliquer sur OK. Écrire dans étiquette vocale. Et voilà, remonter, tout. écrire dans étiquette vocale. Maintenez l'arrière de votre téléphone contre une étiquette vocale pour y écrire un enregistrement vocal. On est presque à cané. Maintenez l'arrière de votre téléphone contre une étiquette vocale pour tout y écrire simplement. un enregistrement Donc, vocal. Donc mon élément. tag. L'étiquette vocale a été écrite. Et Paramètres voilà. avancés. Automatiquement. Donc, ça, ça vient de se faire écrire. Et maintenant, si je retourne à mon accueil. Écran d'accueil. Page 1 sur 2 pages par défaut. Maintenant, si je rapproche, automatiquement, sans même avoir à retourner dans nos paramètres ou quoi que ce soit, j'approche maintenant. Google Play Music. Donc, chaque fois que j'approche... Samsung nous confirme Et tu des beaux strings de Olivier. Et j'entends ma note vocale. Très, très intéressant. Veux-tu peut-être euh, aller activer TalkBack? On va regarder, voir si ça fonctionne comme tout le monde euh, euh, avec TalkBack, voir si euh, Samsung va nous le permettre. Ouais. Test intéressant à faire. 25%. 167. Euh, je pense que tu dans le pli. dans le Écran écran, application, page, horloge. Ça, c'est vraiment N un, un, un beau plus paramètres. de Samsung. Oui. Par, Par contre. Euh, chose à préciser, mais admettons qu'on qu utiliserait ton pixel là, il ne serait pas capable de lire la note vocale. Non, il détecterait que quelque chose de vocal dedans, mais effectivement, il ne serait pas capable de la lire. En tout cas, pas pour le moment. Je, je, je suis à la recherche d'une application sur iOS, de même que sur Android, interface native, pour faire des, associer des étiquettes vocales à des tags NFC. Euh, si on en a, on vous le laisse savoir application à, mis, à propos mise à jour accessibilité accessibilité interaction et paramètres service service installé talkback service installé remonter serve, talkback menu d'accessibilité talkback désactiver talkback Talk désact, talkback talk talkback talkback talk back, désactiver Interrupt. Tout alerte, que utiliser talkback. talkback. surveiller, recevez, réinspect, activez, les ops ceci, contrôle, compte, geste, capture, annule, ok, oui, oui. okay. touche. La fonction talkback activée. Oui, surtout que moi back. je veux utiliser pas talkback, mais talkback, s'il vous plaît. Remontez, bouton talkback, talkback, activé, back. interrupteur, application récente, application récente, que... ah. retour, bouton les boutons inversés. Ça oui, c'est vrai. Remonté, bouton. <laughs> Est-ce que double toucher euh... pour activer l'élément. Accessibilité. Euh, Remonté, euh... bouton. Double toucher bien activer. pour activer ouais. l'élément. Accessible. Recherche. option Lecteur d'écran. Amélioration. Améli. Interaction. Amélioration de non, la visibilité. Lecteur d'écran. Recevez des conseils. Lecteur d'écran. Remonté. Lecteur. Voice assistant. Bon. Désactiver. Okay, Changer. Lecteur. C'est vous. Et pertinent parce que je, je sais que sur les TV des la amélioration, le, le, amélioration, le de à... amélioration de sonnier en arrière paramètres avancés interaction et d'expérience amélioration de l'outil. amélioration de la lecteur d'écran recevez des Parmètre paramètres avancé. service oh oui. paramètres avancés OK paramètres avancés remonter param accès bouton bouton Notification. désactiver étiquette verrouillage et désactiver étiquette vocale écrit. Dictaphone, vocal 008. Okay. Évidemment, à chaque fois qu'on recommence, il y en rajoute Donc, on c est parti de 6 tantôt. Alex m'a fait un autre parce qu'il n'était pas satisfait. On est passé à sept. Yes, ouais, c'est ça. 0 secondes, enregistré bouton. Double toucher pour activer l'élément. volume du flux en du système régulé à 40%. Ali. Vocal 0.5.4, annulé, arrêté, bouton. Parfait. Et volume le, du flux, on du on système réglé à 40%. Pour ouais, de lire, ouais, mais Vocal 0, c'est bon. Max 9 points annulés. Non, Buton. mais on, non, on a vu que tout aussi ouais, ouais, que ouais, non, ça. Oui, effectivement, ça c'est vrai. Bouton. Et 3, both Frames », All right. Ça vaut vraiment la peine de scanner? Bon, vas-y bon, On va en avoir la cœur net est bien parti. Ça va être correct. Vocal 09. Max. Annuler. Lire. Bouton. OK. Écrire dans étiquette vocale. Rem... L'étiquette vocale a été écrite. Magnifique. L'étiquette a été scannée. Application Et, récente bouton sur l'accueil. Je retour, que bouton. le retour soit Double à toucher pour activer l'élément. Oui. Euh, effectivement, retour. ça me semble que sont inversés. Paramètres. Recherche. Accueil. Écran d'accueil. Page 1 sur deux pages par défaut. Écran d'accueil. Page sur 2. Parfait. Google Play Music. 168. Oui, ça a très bien fonctionné. Fait que TalkBack ou euh, peu importe, ça va fonctionner. Il n'y aura aucun problème. Génial. Accueil, bouton. Écran d'accueil. Page sur deux pages par défaut. Dernière Météo. étape euh, ce serait peut-être de regarder au niveau des raccourcis de euh, iOS. Donc, euh, comment faire des automatisations à l'aide d'un tag NFC. De ce côté-là. On n'a pas nécessairement besoin, en fait, de, de, de dédier un tag NFC seulement à l'exécution d'un raccourci. Le tag peut également contenir du texte et tout ça. Euh, comment ça fonctionne? C'est tout simplement que euh, l'application raccourci va utiliser comme un numéro de série qui est propre au tag et va associer ce tag-là à une automatisation. Euh, C'est sûr qu'on pourrait faire aussi euh, afficher du texte juste en numérisant. Euh, en fait, dans, un, dans une alerte, un dialogue, on pourrait peut-être aussi faire afficher du texte juste en numérisant le tag sans avoir à utiliser d'application. Sauf que dans un cas comme ça, il ne faut pas oublier que tout le raccourci, l'action va être inscrite dans le téléphone et non directement dans le tag. Donc, euh, on va euh, dans le fond y aller en ouvrant l'application raccourci. Je vais invoquer Siri parce que je ne sais même pas où. Ouvrir raccourci. Raccourci. Download YouTube vidéo et Audio. Bouton. Ok, parfait. Donc, dans le bas, là, on est avec iOS 13 un iPhone XR. Dans le bas de l'application, on devrait avoir des onglets, dont un qui va s'appeler Automatisation. Et en passant, le bouton qu'on a entendu, le Download YouTube, c'est pas natif. C'est mes raccourcis que j'ai. C'est ça, exactement. Automatisation. Onglet. 2, 2, 3. Automatisation. Programmez vos appareils pour qu'ils réagissent aux changements des conditions. Right, Créez une donc... automatisation qui s'exécute sur un iPhone ou un iPad personnel. Ça automatisation nous explique que personnelle. Quoi? Bouton. Créez une automatisation euh, oui, qui fonctionne pour que Automatisation ne Automatisation personnelle. Bouton. Ah oui, en Oui. Créer. Parce que sinon c'est des automatisations de domicile. Euh, si vous avez déjà des automatisations de fait, vous allez avoir un bouton créer euh, au début de la liste des automatisations qui va faire apparaître l'écran sur lequel on était il y a trois secondes. OK, on peut avancer. Wi-Fi exemple. Quand mon iPhone se connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc bouton c'est quoi? Avion, on réglage. doit choisir on la être... condition. Donc quand l'automatisation va-t-elle devoir s'exécuter Donc quand vous êtes connecté à un Wi-Fi spécifique, une automatisation peut se faire par exemple, dès que vous vous connectez à votre Wi-Fi, il y a de la musique qui part. Toutes sortes de trucs comme ça en fait. Mais là, il y en a une qui s'appelle CCP, spécialement pour les tags NFC. pas mode CCP ouvre CCP exemple, quand je touche une bouton. C'est exactement ce qu'on est ici. CCP quand. Suivant. Nouvelle, automati nouvelle, au nouvelle automatisation. Bouton de retour. Nouvelle automatisation. En Suivant. Estompé. Quand? CCP. Étiquette CCP. Numérisée. Parfait. Étiquette CCP. Numérisé. Donc ici, on peut numériser euh, l'étiquette CCP. Donc clique dessus et tu vas devoir numériser ton étiquette. Et en, euh, Clique dessus, puis approche l'autre. Garde-toi la Approche l'autre ton téléphone dessus tout simplement. Je pense que ça va être plus facile comme ça. Après la détecter. Prêt à détecter. Prêt à détecter. Avertissement. Yes. Nommer raccourci. OK, parfait. Donc maintenant on doit nommer un nommer notre automatisation. Champ de texte. Modification en cours. Non. Mode cap majus A majuscule. A majuscule. P P P P E E L L esp Espace Z majuscule C majuscule maj S A A N N A A D D I I S A A L L O O G G Magnifique. OK, bouton. Yes, OK. Étiquette CCP, Appel canadien Great. Euh, donc euh, maintenant, euh, tu peux euh, avancer, on devrait être en mesure d'ajouter des actions. Étiquette CCP, Appel canadien Nouvelle automatique. nouvelle automate, suivant, bouton. Suivant. Oui, exact. Rechercher actions de recherche. Alright, donc maintenant on est prêt à rechercher notre action. Là, euh, en fait, du coup, euh, toi je pense que un contact qui a plusieurs numéros à rate. Oui, il y a des options appelées qui permettent d'appeler un contact qui vont en fait prendre le premier numéro de la liste, surtout si on, on, on ne demande pas quel numéro appeler. Mais euh, si on veut appeler un numéro spécifique, euh, c'est ce qu'on va faire. Je vais le rentrer, en fait, en champ texte. Donc, on va aller chercher l'action texte. Rechercher app, c'est action. Champ de recherche, champ Y, T, majus. T majuscule, e. C'est e. ça que là, ça Z. demande un petit X. peu plus X. de X. connaissances X. avancées, e. plus e. orientées, prog et tout Régage. ça. Facebook, mes calques, notes, safari. Énoncer, en savoir plus, énoncer le texte. Signer, contrôleur des actions, champ de, et facile annuler. App, Enta. Safari. ça note. Calculate, mais face, réaction, texte, 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 document, texte, champ de texte. Alors, donc dans mon texte, champ de texte, je vais remplir le numéro auquel je veux appeler. Chiffre. A commerce. 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 2, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 3, 3, texte. Ok. Plateau de variables fermé. Maintenant, on va aller maintenant ajouter l'action appeler. Ajouter une action. Rechercher, action. Chant de, champ de recherche. Modification en cours. A majuscule. A majuscule. P, 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 E, E. Accent aigu. L, L, D, E, E, T, R, R. T, Maintenant, A, 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 Marie, je vais Ber... essayer de trouver l'option appeler. appeler. OK. Bouton. Voilà, elle est là. En fait, c'est la fonction. Quand l'ajouter au raccourci, on... ajouter une action. Voilà, bouton. je pense qu'on est bon. Contact. Action appelée. On t'arrête. Mais il faut Appeler. dire, Alex, que t'as dû couper l'enregistrement parce qu'on on voyait toutes mes contacts. Oui, évidemment, parce qu'il y a iOS 13, se fout complètement de la vie privée puis de plein de choses comme ça. Ça commence vraiment à gosser. C'est bourré de bugs. bug. C'est de pire en pire. C'est épouvantable. Action 8.8. Donc le maintenant, si modifier, je fais le tour de mon raccourci. Modifier l'automatisation. Bouton de retour. Modifier l'automatisation. Action. En taille. Document. Action texte. En taillette. 8.887 300 000. Donc j'ai mes numéros. Contact. Action appelé. Entaillette. Même euh, Action non, disponible. Moi, voir des contacts dans mes suggestions quand je cherche une fonction programmatique. Là, honnêtement, moi ça passe plus. Appeler texte. Je ai. Appeler texte. Donc voilà, ça va appeler le texte précédemment euh, inscrit. Ajouter une action. Bouton. Ajouter une action. Non, j'en ai pas ajouté. ajouter. Charge Merci. La 40. Modifier l'automatisation. Bouton. Modifier l'automatisation en haut à gauche. Modifier l'automatisation. OK. Bouton. Texte qui appelé. Bouton. Voilà. Donc, Donc si je cherche canal... mon écran. Annulé. Bouton. OK. Bouton. Activer cette automatisation. Bouton. Voilà. Donc, activer. activer l'automatisation Oui, je vais l'activer bien sûr. Quand. Quand appel Canadialo est détecté. Donc, Bouton. Quand la puce est détectée. Faire. Texte qui appelé. Bouton. Texte et appelé. Demander avant d'exécuter. Bouton. Activer. Je vais l'enlever, sans quoi euh, on va avoir à confirmer chaque fois que l'attaque va être détectée. Ne pas demander avant l'exécution. Chaque fois que cette automatisation est déclenchée, elle exécutera les actions sans rien vous demander. Oui. Ne pas demander. Ne pas demander. Ne pas Bouton. demander. Demander avant d'exécuter. Demander avant. l'exécuter. Demander avant d'exécuter. Bouton. Désactiver. C'est bien désactivé. Ok. Je vais Bouton. cliquer sur OK. Un En action. Bouton. Et maintenant, je vais retourner à mon écran d'accueil. Magnifique. Écran d'accueil. Et maintenant, si je scanne rien de moins que mon tag, et voilà, ça vient de détecter instantanément. C'est en train d'appeler. Welcome to Canadiologue. Bienvenue chez Canadiologue. Donc dès que je scanne le tag, je vais raccrocher. Je vais le refaire une dernière fois. Dossier Google. 550 cartes de Google. À l'instant. Et c'est en train de m'appeler. Je vais ça. Et voilà. Et euh, si, par exemple, on prendrait notre téléphone Samsung, on verrait que l'étiquette vocale serait toujours associée au tag, sans que, parce que, en fait, on n'a jamais formaté le tag, on a juste dit à iOS de, euh, dans le fond, d'assigner le numéro de série au raccourci à l'automatisation, en fait, que j'ai créé. Et euh, ainsi, contrairement euh, aux étiquettes textuelles ou une étiquette textuelle, dans le fond, euh, est enregistrée, par exemple, avec, euh, je sais pas moi, un, un, un téléphone iPhone serait lisible sur Android, l'automatisation ne pourra pas être détectée par un autre téléphone. Ça, ça fonctionnera pas. C'est euh... ça, Alex, comme tu le disais, les automatisations, c'est pas disponible sur iPhone 7, 7, plus, 8, 8 plus. Exact. X, voilà. C'est ça. Exactement. C'est pas disponible d'aucune façon là-dessus, effectivement. Là, on vous a montré la possibilité que ça amenait. Il existe également des automatisations sous Android. Oui, ça existe. Euh, entre autres, NFC Tools en, en, en fournit grâce à un, un module supplémentaire installé. Euh, donc, oui, c'est disponible. C'est certain que là, quand on rentre dans l'automatisation, lié au tag NFC, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe que juste mettre un, un étiquette textuelle sur un tag. C'est beaucoup plus complexe. Mais euh, l'important, c'est de savoir que ça existe et s'il y a des besoins, ben, on est là pour ça. On peut toujours euh, offrir la possibilité de, de créer des automatisations, des raccourcis ou de vous guider là-dedans. D'autres choses à rajouter? Ben je trouve que ben c'est une technologie que je savais qui existait, mais j'ai commencé à jouer avec aujourd'hui, pis je trouve que ça va être bien pratique dans ma vie. C'est très prometteur, effectivement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ça. Énormément de trucs à faire avec ça. Ça va de l'étiquetage d'éléments à euh, appeler des contacts, à euh, ouvrir des sites web, à même euh, connecter des gens à votre Wi-Fi automatiquement. Ça, 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 ça l'ouvre un nombre de portes incroyable. Ouais. Mais c'est sûr que ça demande d'être maîtrisé, c'est sûr que ça demande de, de, de faire des recherches, de jouer avec, puis de ne pas avoir peur d'aller s'amuser pour, pour faire des tests. Euh, puis limite, si vous êtes un, moindrement à l'aise en, en, en développement, que vous connaissez le, la notion d'argument, que vous êtes capable de passer une variable, une fonction, l'application raccourcie va permettre d'en faire énormément, mais ce sera des heures et des heures de plaisir. C'est pour ça que je t'ai dit te dis je comprenais rien que quand tu me parlais d'arguments. <laughs> ouais ben en fait c'est ça c'est parce qu'il faut passer le le chantex à la fonction appeler pour être sûr d'appeler le bon numéro sans quoi. Allez savoir pourquoi. mais En fait, l'autre façon qu'il aurait fallu faire si on aurait voulu le passer par le contact, c'est d'aller chercher le contact, d'aller chercher le numéro de téléphone dans la fiche contact et là de lancer la variable appeler. Je l'ai faite avec un texte, mais quand on décide d'appeler seulement un contact, ça prend le numéro qui veut bien prendre. Euh, parce qu'on y laisse le champ libre à le faire. Donc, oui, c'est ça. Mais raccourci, oui, c'est bien, mais il y a quand même de très grosses lacunes dans l'app raccourci sur iOS, là. C'est, c'est bien, mais ça mérite aussi beaucoup d'amélioration. C'est pas très, très intuitif, malheureusement. Mais c'est là! C'est là. Donc, par exemple, euh, vous voulez envoyer un message euh, automatiquement euh, en scannant un tag, euh, je sais pas, euh, euh, quand je sais pas moi, à, à votre mère, j'arrive. Bon, mais quand vous scannez le tag, le message peut s'envoyer automatiquement. J'arrive. Avec a... le bon numéro tout. Il y a même des raccourcis avec Siri. Oui. Par exemple, euh, tu peux, tu me passer ça? Euh, le téléphone, oui. oui. J'ai une application euh, de sommeil qui fonctionne plus, mais je... mm -hmm. c'est pas moi qui a créé le récursion, pour ça. La phrase c'est dormir. Mm -hmm. Dormir. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ah, oui, je l'avais barré en euh, euh, rond en fait, oui. Désolé. Pillow. Pillow. Modifié. Bouton. Il lance main. Et voilà. Mais ça va encore plus loin. Tout à l'heure, moi, j'ai fait pour euh, niaiser avec mon, mon téléphone, j'ai fait un tag. J'associe associé, euh, dans le fond, euh, l'application assistant Google. Et euh, dès que je scannais le tag, au lieu de parler à Siri, c'était automatiquement Google qui se lançait. L'assistant ben, le, le, vocal de Google, quoi. Donc euh, je scannais. Je voulais parler à Google. J'avais juste à toucher mon tag, puis j'entendais avec mon iPhone tout doux et Google m'embarquait <laughs> Donc quand même assez magnifique euh, à ouais. faire, puis probablement en fait que je pourrais aller chercher le même genre de comportement avec Amazon Alexa sur iPhone directement. Donc je pourrais probablement faire un tag Google et un tag Amazon. Simplement scanner mes tags et, euh, ben, en fait, les assistants vocaux associés aux tags que je voudrais pourraient se lancer très, très simplement, quoi. C'est quand même mon outil. Hello. Puissant. Avertissement. Écouteur détecté. Bon, lui, cela manque le pas soit va pas dormir. <laughs> On il va faire de dos. Mais oui, c'est un, un outil euh, effectivement euh, très, très puissant, en effet. Euh, c'est, oui, c est, c est, ça va très, très loin. Fait que, ben voilà, je pense que ça ça conclut, puis éventuellement, ouais. si on a euh, des applications pour euh, l'enregistrement vocal euh, de de mots directement liés à un tag NFC, on vous le fait savoir. C'est sûr que c'est possible par ailleurs de le faire avec un raccourci, si vous souhaitez manuellement associer un fichier, par exemple euh, une URL ou un truc comme ça à votre tag, vous allez pouvoir démarrer un contenu audio euh, en le faisant, mais ça va demander beaucoup de manipulation à chaque tag, donc euh, c'est pas aussi Simplice sur iOS que ce que Samsung peut le proposer. Samsung, c'est quand même assez. Euh, c'est quand même un beau wow factor, là, comme on dit. C'est quand même ouais. un, très, très intéressant. Effectivement. C'est bon, fait que si vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas à nous contacter. Évidemment. Euh, si j'ai pas une prochaine émission également. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin avec le NFC que seulement euh, juste euh, écrire ou étiqueter des, des items, mais ben, ça se fait. On a toujours la possibilité d'offrir de l'assistance. Euh, donc, vous n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'une soumission adaptée à vos besoins. Ça nous fera plaisir. Et euh, sur ce, ben, on vous souhaite euh, une bonne fin de journée et au plaisir. Au bon plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site Web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français-Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s, arobascanadialogue.com, soit p o d c a s t s c a n a d -i a l -o -g .com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1 888 730 0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.